Mes impressions ? Oui. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Surtout quand je vois que on avait tout mis en œuvre. Ça fonctionne. Donc pour notre sécurité, donc on a deux choses aussi qui sont obligatoires. Donc on a un extincteur automatique, donc ce que vous avez en film là, à ce moment-là. Donc cet extincteur, il est automatique parce qu'on peut le déclencher nous, dans la partie habitacle, donc par un interrupteur. Donc c'est en cas de sortie de route où on se retrouve bloqué dans l'habitacle et qu'il y a du feu, donc ça nous permet de déclencher l'extincteur. Et on a une partie aussi extérieure, donc je vous montrerai sur l'aile tout à l'heure, qui permet à des gens extérieurs de venir nous porter secours. Partie extérieure toujours, je vous montrerai tout à l'heure, on a une coupure électrique du moteur. Ce qui peut nous arriver quand on fait une sortie de route, si on est conscient, on peut être bloqué, et si on est inconscient, donc on ne peut pas réagir. Donc des personnes extérieures peuvent autant éteindre le moteur et déclencher l'extincteur en cas d'incendie. Et deuxièmement, donc on a un extincteur qu'on appelle manuel, qui est là pour nous filer coup de main en cas de départ de feu. Ça veut dire que l'équipage sort du véhicule, prend l'extincteur manuel, ça veut dire que si on a un problème sur l'automatique, le manuel est là pour nous porter aussi une deuxième assistance. Voilà, on va partir sur les interrupteurs. Donc sur la partie sécurité, extérieurement, on a deux choses. Donc on a l'extincteur automatique qui est déclenché à l'extérieur, donc on a le logo qui est normalisé, et ensuite on a la coupure électrique. Donc moi sur la Saxo c'est un modèle électrique, donc ça veut dire que c'est simplement un arrêt donc, par bouton poussoir du moteur qui permet de couper l'alimentation du moteur. Donc il existe des différentes variantes où on peut avoir des tirettes, voilà, si l'extincteur est automatique mais manuel, donc ça veut dire qu'il n'est pas électrique, ça veut dire que c'est une tirette, et autant sur la coupure moteur où c'est pareil, c'est une deuxième tirette qui est à côté qui permet de tirer et de couper l'arrivée moteur. Voilà.